Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Les gars, j'espère que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. La petite cloche, voilà, on est bon. Et passons directement au sujet de la vidéo. Le secret de la richesse, ça va être basique, mon gars. Parce que tout ce qui est dans les basiques, mon gars, lorsqu'ils sont maîtrisés, eh ben mon gars, tu deviens un professionnel. Eh oui, mon ami. Eh ouais, tu n'as pas les bases, comment tu veux faire? Tu veux déjà savoir toutes les stratégies, mais tu n'as même pas la base. Okay. Donc la base c'est quoi pour pouvoir t'enrichir? Tu vas dire c'est logique, mais je savais. Ouais, mais est-ce que tu le fais? Le secret, la base, c'est de ne pas courir après l'augmentation de tes revenus. Okay. Si tu regardes bien, tout le monde fait ça. Okay. Tout le monde fait ça. Okay. Les gens ils font quoi? Ils ont fini leurs études, ils essaient de faire les plus longues études qu'ils peuvent pour pouvoir avoir le plus gros salaire. Une fois qu'ils rentrent dans le travail, des fois, il y en a même qui rentrent dans le travail, ils font des formations internes ou ils reprennent l'école pour pouvoir revenir, pour pouvoir augmenter leurs revenus. Okay? Donc, ils ne s'arrêtent jamais. Et est-ce que tu as remarqué, ces gens-là, est-ce qu'ils sont riches? Non, ces gens-là ne sont pas riches. Tout ça pourquoi? Parce que chaque mois, en fait, ils augmentent leur train de vie et leur compte, il revient à zéro. Et même pas, il revient à zéro, il revient en négatif. Tous les mois, ils reviennent en négatif. Donc, ils augmentent leurs revenus, mais ils reviennent tous les mois en négatif. Donc, on voit bien que la technique de courir après l'augmentation de ses revenus, en tout cas avec ce mindset-là, ne fonctionne pas et ne t'aide pas à devenir riche. La seule chose qui te permet de devenir riche, c'est, quels que soient tes revenus, c'est ce qui te reste à la fin du mois. Il n'y a pas de secret, c'est basique. Okay? Tu seras toujours plus riche qu'un gars qui fait 10 000 euros par mois, mais tous les mois, il est à moins 2 000. D'accord? Que si jamais toi tu fais ne serait-ce que 1500 euros, hein, même 1000 euros, mais qu'à la fin du mois il te reste 300 euros, okay, ben, tu es plus riche que le gars qui a un gros revenu. Okay? Ne te fais pas avoir, c'est du leurre. Ouais, le gars qui a 10 000 euros, il a plein de crédits, donc tu as l'impression qu'il vit la grande vie, il a des Porsche, il a plein de trucs. Okay? Mais le jour où il y a un souci, okay, le jour où il ne peut plus payer ses crédits, il est pauvre, il vit avec de l'argent qui n'existe pas. Okay? Donc le secret de la richesse, c'est d'avoir la capacité de pouvoir gérer son argent. Okay? Donc c'est pour ça que en fait, tu peux t'enrichir en partant de zéro. Parce que quel que soit ton revenu, si jamais tu mets de l'argent de côté, tu vas pouvoir mettre de l'argent de côté, accumuler cet argent et après pouvoir l'investir et acheter des actifs. D'accord? C'est ça l'objectif. Nous, ce que l'on veut, ce n'est pas d'avoir le plus gros salaire. Ce que l'on veut, c'est d'avoir le plus d'actifs. Ce que tu veux, c'est la liberté. Et la liberté, tu l'auras lorsque tu auras acheté des actifs, lorsque tu auras un maximum d'actifs. Donc, c'est ça le secret. Et ça commence par la bonne gestion de tes finances. Donc, gère tes finances, rembourse tes dettes et chaque mois, arrange-toi pour pouvoir garder de l'argent, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir acheter des actifs après. Donc évidemment, si jamais tu touches par exemple 1000 euros ou 1200 euros ou même 1500 euros, d'accord, et que tu arrives à mettre que 200 euros de côté, ce qui est déjà énorme, d'accord, le problème c'est que, je te cache pas, ça va prendre beaucoup plus de temps que si jamais tu arrives à mettre de côté 500, 1000 euros. Donc c'est pour ça qu'on conseille de créer, enfin, c'est pour ça que moi je conseille de ou prendre un deuxième job ou de créer son business en ligne comme moi j'ai fait à côté, d'accord. Parce que ton business en ligne, ça va être sûrement basé sur une passion que tu as déjà. Ce sera agréable de pouvoir la partager avec d'autres gens, avec les gens de ta communauté. Okay? Donc moi, j'ai fait une formation où je parle exactement comment créer son business en ligne. D'accord? Tu n'as pas besoin d'avoir d'expertise. Si tu as déjà une idée, ben, c'est cool. Si tu n'en as pas, je partage avec toi plus de 25 idées de business en ligne. Donc tu auras juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Okay? Et tu pourras avoir accès à cette formation qui est offerte. Okay? Donc la batterie va bientôt se couper. Donc on va écourter cette vidéo. Ok, donc d'ici là les gars, restez branchés, on reste déterminés et on lâche rien. Il y a eux et il y a nous. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que oui, pourquoi je vous dis de développer votre business en ligne à côté? Parce que comme ça, vous allez pouvoir augmenter vos revenus et forcément, bah, tu vas pouvoir épargner beaucoup plus. Et pas épargner pour au cas où, on ne sait jamais les gars ce qui va se passer. Non, épargner pour pouvoir acheter des actifs. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter les gars. Vous pouvez vaquer à vos occupations maintenant.